Alors je sais pas vous, mais j'ai découvert le Burger King il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça devait faire au moins un siècle que je devais y aller. Et concrètement, je ne sais pas pourquoi je n'y étais jamais allée. Mais pourquoi? Parce que concrètement, le Burger King est l'un des meilleurs fast-food au monde. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous parler de toutes ces petites choses qu'on préfère au Burger King à tous les autres fast-foods. D'abord, dans la plus grande des simplicités, il y a une plus grande variété de burgers. C'est simple, c'est dans le nom, Burger King. Moi par exemple, j'adore les burgers au bacon et à chaque fois que j'y vais, j'en ai plusieurs, je peux alterner à chaque fois que j'y vais et franchement, je ne demande que ça. Ensuite, on ne peut pas ne pas parler des frites. Si on compare à d'autres, les frites du Burger King sont souvent bien plus grosses. Donc, tu n'as vraiment plus faim à la fin. Et donc, cela permet aussi de ne pas acheter deux grandes frites, mais qu'une seule, et donc de faire des économies. Économies dont tu te serviras à la fin du mois pour t'acheter un deuxième Burger King. Pourquoi pas, je ne sais pas. Et ensuite, la deuxième chose à propos des frites du Burger King, c'est qu'elles sont souvent bien plus croustillantes. Il y a un vrai goût de frites dans ta bouche et pas des simples patates coupées en lamelles et toutes molles et sans goût. Moi, je trouve ça quand même vachement mieux. Mais qui dit frites, dit sauce. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ma sauce, c'est le ketchup. Et je ne sais pas manger mes frites sans ketchup. Ce qui est bien au Burger King, c'est qu'il nous donne des vrais sachets de sauce. Par exemple, dans d'autres, c'est des petits trucs rectangulaires qui sont impossibles à vider et quand tu arrives à les vider, il y en a plus sur tes doigts que pour tes frites. Donc au Burger King, ce n'est pas le cas et heureusement, c'est des petits sachets dans la longueur qui sont faciles à vider, il y en a pas mal pour tes frites et pour ma part, je trouve qu'il y en a bien plus que dans tous les autres fast-food. Donc ça fait que je suis pas obligée d'aller en caisse et de demander à un vendeur qui daigne me donner un d'autres ketchup. Donc je trouve ça quand même vachement plus avantageux. Et enfin, la chose que je préfère au Burger King, la chose qui me fait le plus rire, ce sont les phrases rigolotes que l'on trouve partout, à tout moment, lorsque l'on se retrouve au Burger King. Pour certains, c'est peut-être rien, mais moi, ça me donne envie de rire, ça me donne la pêche, mais jusqu'à la fin de la journée. Je vais donc vous montrer celles que j'ai pu apercevoir, mais je suis sûre qu'à chaque fois que j'y retournerai, je vais en trouver plein d'autres. D'abord, les bornes en panne nous expliquent « Je peux pas, j'ai tennis ». Bon, effectivement, ça serait mieux si elles fonctionnaient, mais au moins, c'est plus rigolo pour patienter. Après, sur les plateaux, on nous dit « On vous aide avec ce plateau, mais franchement, faites comme vous voulez ». Perso, ça me fait mais juste trop rire. Quand j'attends la suite de ma commande, je m'amuse à essayer de coller chaque truc à son ombre, le verre avec l'ombre du verre, le burger avec l'ombre du burger. Bon, ok, je passe le temps comme je peux. Chacun sa méthode, chacun ses couleurs. Ensuite, sur les sacs à emporter, où il y a marqué « Tout est bon, sauf le sac ». Moi, je trouve ça juste super rigolo de nous rappeler qu'un sac, ça se mange pas, tout simplement. Mais parfois, sur d'autres sacs, si je me souviens bien, il y a aussi marqué un sac de marque, ça fait toujours effet. Et donc ça, en plus d'être drôle, je trouve que c'est super important pour la non-discrimination. Parce que en effet, Burger King, c'est une marque. Mais après, quand tu te balades avec ton sac Burger King dans la rue, c'est pas le même effet que si tu te balades avec un sac Dior. Donc moi, je trouve que ça rapproche les gens inconsciemment. Enfin après, c'est peut-être juste que moi. Enfin, quand on mange vraiment, il y a pour les onion rings, normalement, le compte est bon. Parce que pour le coup, il faut que le compte soit assez précis. Parce que s'il en manque un, et ça se remarque tout de suite. Après, il y a aussi pour les frites, et c'est sans doute ma phrase préférée dans tout le Burger King, enfin toutes celles que j'ai pu voir, où il y a marqué ce qui pouvait arriver de mieux à une pomme de terre. Et ça, c'est bien vrai. Parce que sérieusement, mais qui n'aime pas les frites? Franchement. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, vous, au Burger King. Et surtout, si vous avez découvert d'autres petites phrases, n'hésitez pas à me les dire.
Et je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu.